Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui, nous allons lire Winnie l'ourson, le trésor doré. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Christophe. Winnie aime l'anniversaire des autres autant que le sien. À l'anniversaire des autres, on peut chanter « Joyeux anniversaire » au lieu de rester assis à écouter les autres vous le chanter. Tout en préparant son petit déjeuner, Winnie répète. Le passage qu'il préfère, c'est quand on dit le nom de celui que l'on fête. « Joyeux anniversaire Jean-Christophe !» chante Winnie. Puis il se met à penser à tout ce qu'il y a de bien avec les anniversaires, les jeux par exemple. « Pas de chaise musicale, se dit-il. On y a joué à l'anniversaire du Tigrou. Et on s'est tous cognés. Il sent qu'il a le nom du jeu idéal sur le bout de la langue. Mais pour l'instant, sa langue est pleine de miel. Ça y est, je sais. Une chasse au trésor. Et il court parler de son idée à ses amis. Tigrou bondit de joie. Est-ce qu'il y a une surprise à la fin ? Demande Petit Gourou. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a une surprise. Tu verras, mon chéri, dit Maman Gourou. Ce sera une surprise. Moi, dit Bourriquet, je ne vois pas l'intérêt de cacher quelque chose exprès. En plus, on n'a pas de trésor à cacher. Winnie réfléchit un moment. Jean-Christophe a un petit cochon tirelire, dit-il finalement. Je crois qu'il a un trésor à l'intérieur. Ils s'en vont aussitôt chez Jean-Christophe. Et c'est Winnie qui prend la parole, parce que c'est son idée à lui. Bon anniversaire, Jean-Christophe, dit-il. Il ne le chante pas. Cela ne peut se chanter qu'avec un gâteau et des bougies. Est-ce que tu as un trésor? Parce qu'on voudrait faire une chasse au trésor. Comme tous les enfants, Jean-Christophe aime les trésors et il en garde quelques-uns dans sa chambre. « C'est mon anniversaire, dit-il. Alors c'est moi qui cache le trésor, d'accord? Je vais le cacher dans la forêt des rêves bleus. Vous devez tous aller dans la maison de Winnie et compter jusqu'à 30. »« Vous pouvez commencer, crie Jean-Christophe. » Et tous se mettent à compter en chœur, dans un joyeux brouhaha, jusqu'à 10. Tout se passe bien, puis les avis divergent. Porcinet hésite. 11, 13, 14, 12... Petit Gourou, lui, enchaîne avec assurance. 9, 10, 20, 30, et on entend un 23 dans la bouche de Winnie. Il compte tout si fort et dans un tel désordre qu'il n'aurait pas entendu Jean-Christophe crier « Ça y est !» si Bourriquet ne s'était pas trouvé près de la fenêtre. « Je vous donne un indice, dit Jean-Christophe. Le trésor est doré. » Les amis s'éparpillent et se mettent à chercher. Soudain, la forêt leur paraît immense et chacun pense que ce serait bien d'être Jean-Christophe parce que lui, il sait où est le trésor. Winnie regarde en l'air et par terre. Il regarde sous les choses, il regarde dedans. Et enfin, il trouve quelque chose sous une bûche derrière sa maison. Un pot de miel! Le miel s'est doré, c'est sûrement le trésor. Très fier, Winnie s'accorde quelques cuillerées de miel en guise de récompense. Pendant ce temps-là, Porcinet cherche dans la prairie tout en pensant que ce serait mieux de jouer à Colin Maillard, parce qu'il n'est pas très bon pour trouver les trésors. Et, oh! Là, devant ses yeux, le plus gros et le plus doré de tous les boutons d'or du monde. C'est sûrement les trésors, se dit Porcinet qui court aussitôt le cueillir. Quant à Coco Lapin, il fait un détour par chez lui pour vérifier qu'il a bien balayé après le petit déjeuner. En chemin, il voit une feuille toute dorée, une feuille de l'automne passé. Et la feuille est si belle que Coco Lapin sait que c'est le trésor. Je l'ai trouvé! Je la mettrai dans ma collection de choses de couleur. Il a déjà un œuf bleu ramassé par terre, quelques baies de houx toutes rouges et des baies de sureau pourpres. Petit Gourou, lui, n'est pas très patient. Chercher n'est pas son fort. Ce qui l'énerve, c'est qu'on ne trouve que tout à fait à la fin, jamais pendant que l'on cherche. Après avoir regardé une fois en l'air, une fois par terre et une fois sous quelque chose, il oublie le trésor et décide d'aller dans son terrain de jeu, son endroit favori. « Mais bien sûr » s'écrie-t-il en arrivant au bac à sable. « Le sable, c'est doré, ça brille au soleil. Et quelqu'un a fait un beau château. C'est sûrement le trésor. Je vais rester ici et creuser un fossé. » Très sûr de lui, les tigres sont les meilleurs chasseurs de trésors. Tigrou s'élance sur la piste en chantant. « Cherchez, cherchez, c'est moi qui trouverai. » « Et voilà » clame-t-il 10 secondes plus tard. Tigrou avait raison. Les tigres ont toujours raison. Il s'est arrêté net devant un pissenlit. Alors ça, c'est doré. Et c'est un trésor, parce que ça s'appelle aussi « dent de lion ». Et tout ce qui a « lion » ou « tigre » dans son nom est un trésor. Et Tigrou, le pissenlit à la bouche, revient en bondissant. Sur sa balançoire, Jean-Christophe compte jusqu'à 420 pendant que les autres cherchent le trésor. Il ne saute pas un seul nombre.
Il est très bon pour compter. 418, 419, 420, crie-t-il en sautant de la balançoire en plein vol. Qui a trouvé le trésor ? Moi, crie d'une même voix Winnie, Porcinet, Coco Lapin, Petit Gourou et Tigrou. Mais, dit Jean-Christophe, il n'y a qu'un trésor et vous êtes cinq. Et encore, je ne compte pas Bourriquet qui semble avoir disparu. Mais je l'ai trouvé, insistent les cinq en chœur. Alors, c'était quoi ? Demande Jean-Christophe pour s'amuser un peu. Du miel, un bouton d'or, une feuille, un château de sable. Un pissenlit, répondent-ils tous ensemble, ce qui donne à peu près cela. Miel, feu, boule, chasse à piplore. Jean-Christophe secoue la tête. Vous avez tous trouvé quelque chose de doré, bravo, mais vous n'avez pas trouvé le trésor. Le véritable trésor est doré et il est dans une boîte. Dans son coin, Bourriquot ne s'est pas rendu compte que les 420 secondes étaient écoulées et que les autres avaient tous rejoint Jean-Christophe. Il a arrêté ses recherches au bout de 14 secondes et il est rentré chez lui, persuadé qu'il ne trouverait pas le trésor. « Je ne suis pas bon pour les jeux. Dans les jeux, il y a un perdant et un gagnant, un qui rit et un qui pleure. Et celui qui pleure, c'est moi, » pense-t-il en regardant par terre à la recherche des bouts de bois pour réparer le trou de son toit. « Aïe ! Qu'est-ce que c'est ?» s'écrie-t-il en heurtant le bord pointu de quelque chose. « C'est une boîte en bois. » Une boîte avec une fermeture dorée. Les gens sont vraiment sans gêne, se dit-il. Ils jettent des trucs n'importe où. Moi, je viens tranquillement chercher des bouts de bois et voilà ce que je trouve. Il faut que j'aille dire à Winnie de dire aux autres de faire un peu attention. Mais le voilà, dit Jean-Christophe quand Bourriquet apparaît. Tu joues encore ? Je ne suis pas bon pour les jeux. Il y en a qui sont bons, d'autres qui aimeraient l'être et d'autres qui ne le sont pas. Et je fais partie de ceux-là. « Nous avons tous trouvé quelque chose de doré, » dit Porcinet. « Mais Jean-Christophe dit que ce n'est pas le trésor, parce que le trésor est dans une boîte. »« Eh bien, à propos de boîte, justement, » dit Bourriquet, « vous ne devriez pas jeter des choses comme ça n'importe où. J'ai failli me blesser tout à l'heure sur une boîte qui traînait dans mon coin de forêt. Je sais que pour vous, c'est un endroit sinistre, mais c'est mon coin que j'aime, surtout s'il n'y a pas de boîte qui traîne. » Une boîte ? Dans ton endroit sinistre, s'écrie Winnie, c'est peut-être le trésor. Et tout le monde s'élance derrière Bourriquet jusqu'à la boîte. Ouvre-la, Winnie, dit Bourriquet. Winnie ne se fait pas prier. Des pièces en chocolat, annonce-t-il. Et c'est Bourriquet qui les a trouvées. Bravo, Bourriquet. Allez, tendez vos mains. Et Winnie donne à chacun une belle pièce brillante. Vive Jean-Christophe, s'écrie-t-il en cœur. Hip hip hip, hourra, hip hip hip. « Hourra ! Hip hip hip, hourra ! Et vive la chance, Queen Porcinet !» La journée a été formidable, avec plein de jeux, un super goûter et un délicieux gâteau au chocolat. Chacun a eu un chapeau pointu, Jean-Christophe en bleu, comme son short, Winnie en rouge, comme son pull, Porcinet en rose, comme ses oreilles, Coco Lapin en blanc, comme son petit bout de queue, Maman Gourou et Petit Gourou en marron, tous les deux comme leurs pattes, Tigrou, un orange, comme son pelage. Mais le plus beau, c'est Bourriquet qu'il a eu. Un chapeau tout doré, comme le trésor. Cette histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les infos du livre, regarde dans la barre d'infos. Abonne-toi.